Je te souhaite la bienvenue pour l'activité créatrice de la lettre F. Alors, on va faire quelque chose qui va traiter les fractions. Je vais commencer par choisir un fond d'écran et je vais aller choisir la route devant la maison. Je veux prendre un personnage et j'ai choisi un personnage qui se déplace, donc un petit bonhomme à bicyclette. Je clique pour confirmer que mon choix est correct. Je veux maintenant enlever Tic. Alors, j'appuie longtemps avec ma souris jusqu'à temps que le X apparaisse pour pouvoir l'enlever. Je trouve que mon vélo est un peu gros. Alors, je vais prendre les boutons mauve et je vais descendre en bas ici le bouton et je vais peser dessus pour mettre le cycliste à la grosseur que je veux. Quand c'est terminé, je peux jeter le bloc en le remettant tout simplement au centre. Et là, je peux déplacer mon vélo comme je le veux. Alors, puisque je veux faire des fractions, je vous invite à mettre le plan cartésien, donc le petit quadrillé qui apparaît ici. Alors, regarde ce que ça donne. Mon petit vélo est ici. Je veux qu'il parte le plus loin possible et je voudrais qu'il se déplace sur ma distance. Alors, si je prends les blocs jaunes, je vais prendre mon drapeau. Je vais le faire se déplacer en ligne droite. Et là, bien, je peux lui demander, par exemple, de se déplacer de 18 carrés. Si tu comptes les carrés où mon bonhomme est ici, on va regarder ce que ça donne. Mon petit bonhomme va vraiment jusqu'au bout. Maintenant, je voudrais faire un programme un peu différent où je voudrais travailler la moitié. Alors, pour pouvoir faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais partir un programme d'une autre façon. Lorsque j'appuierai sur le drapeau en haut ici, c'est ce programme-là qui partira. Si je remets mon petit bonhomme avec son vélo au départ et que je veux le faire avancer maintenant d'une distance différente, puis je veux qu'il s'arrête à la moitié de mon quadrillé. Alors, on peut compter les petits carreaux et quand je vais appuyer directement sur mon vélo, il va franchir la moitié de la distance. Alors, c'est une belle façon de voir qu'il y a deux façons de faire programmer, de faire partir un programme. Et ici, on peut voir donc la moitié de la distance et la distance totale. Alors, je te souhaite une bonne expérimentation avec d'autres défis des activités créatives.